Bon dimanche à toi. Ce matin, j'aimerais qu'on refocus sur la foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Croire en la parole de Dieu, croire que Dieu existe, qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est tout-puissant. Croire, c'est ce qui ouvre nos yeux, qu'on puisse voir le royaume de Dieu. C'est ce qui ouvre nos oreilles, qu'on puisse entendre le Seigneur nous parler directement. C'est ce qui ouvre nos sens à ressentir la puissance et l'amour de Dieu. C'est ce qui ouvre. Je prie que le Seigneur te fasse un don de foi pendant que tu m'écoutes ce matin. Que le Seigneur te fasse un don de foi et que tu crois. Parce que celui qui croit, c'est lui qui croit, reçoit tout ce qui lui est promis dans la parole de Dieu. La délivrance, la guérison, le salut éternel, l'éternité en Jésus-Christ, l'amour, le pardon, la provision, la paix, la joie, les fruits de l'esprit, les dons d'en haut, pour aider les autres, être bénis, pour bénir les autres. C'est cette eau de vie qui déborde de toi, je prie que la foi, une foi spéciale te soit donnée ce matin. Puisses-tu vivre ce que je vis avec le Seigneur. Je te le souhaite. Je prie le Seigneur qu'il fasse un miracle dans ta vie ce matin. Je prie que tu puisses, même dans la tempête, ressentir à quel point il est tout-puissant et au contrôle. Que tu puisses voir à travers ses yeux, à lui, ta situation à toi. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est tellement petit à comparer à sa grandeur, à comparer à l'éternité. J'espère que tu vas recevoir un don de foi ce matin. Sinon, mets toute ta foi que tu as, tout ce que tu peux. Crois, sois délivré, sois guéri, sois restauré. Reçois le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, l'abondance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit ce matin, afin que ta vie change. Bonne semaine.